بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد ايها الملأ الكريم « Salam wa wa Hier, nous avons vu euh, comment euh, l'intention NIA avait une importance vraiment capitale dans tout ce que l'être humain pourrait entreprendre, surtout dans le domaine culturel, dans le domaine religieux, l'ibadat. Nous avons dit que ce principe devait être aussi pris en considération sur d'autres plans, notamment le plan, sur le plan juridique. Par exemple, quand vous parcourez un livre de, 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 de droit canon, qui vous allez dans le domaine des, des homicides, il y a l'homicide volontaire, l'homicide involontaire, et là la chose va justement se distinguer par l'intention qui, qui a poussé au préjudice. Mais nous allons donner un autre, un autre exemple. Euh, L'imam Abu Hanifa avait des, des, des grands disciples. Euh, entre autres, euh, le Qadi Abu Youssef et Abu Hassan Sheybani, et, et d'autres citent aussi Zoufar ibn al-Hudayl. D'ailleurs, quand on dit « Qala Abu Hanifa wa, wa sahibeh », c'est euh, Abu Hassan Sheybani et euh, le Qadi Abu Youssef qui sont, qui sont désignés. Le Qadi Abu Youssef qui était l'un des plus grands disciples de l'imam Abu Hanifa, est tombé malade. Et une fois des gens venant lui rendre visite ont vu Abu Hanifa qui est sorti de chez lui qui pleurait à chaudes larmes en disant ah mon dieu si tu venais à mourir Abu Youssef à qui à qui laisserais-je tout mon legs c'est-à-dire tout mon savoir donc, ces gens-là qui, qui étaient en train de, de lui rendre visite, qui étaient à son chevet, il leur dit sur son lit de malade, de toute manière, dès demain, je vais revenir à la mosquée et puis euh, je vais réintégrer le cours de, de Cheikh, Cheikh Abu Hanifa. Et ces, ces gens-là lui disent :« Mais non, attends, écoute, t'as pas à rejoindre le cours. Ça y est, toi, nous l'avons entendu dire que tu étais au top. C'est bon, tu es, tu, es, tu es un savant accompli, un jurisconsulte achevé. » Et le lendemain, le Qadi Abou Youssouf rentre dans la mosquée. Il s'isole dans un coin. Dans un coin, il fait sa propre halqa, c'est-à-dire des gens sont venus chercher du savoir auprès de lui. Et là, l'imam Abu Hanifa demande à ses disciples que fait Abu Youssouf Et ses disciples lui disent On lui a fait parvenir que vous avez dit de lui qu'il était accompli, c'est bon. Donc il s'est dit il va inaugurer son propre cours. Et là, l'imam Abu Hanifa, qui est un génie, comme le disait si bien l'imam Malik, si cet homme. Vous persuadez que ce pilier ou que ces piliers étaient en or, eh bien, vous les verrez en or. Il demande à l'un de ses disciples d'aller lui poser une question sur une sur un point très 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 subtil, et c'est de cela que nous parlerons demain. Et vous verrez que l'intention est plus que prépondérante, non seulement dans le domaine culturel, mais sur le plan juridique, et ça peut avoir des implications terribles. Euh, en termes de comportement, de relation, et j'en passe. Nous arrivons au terme de, de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.